En ce dernier jour du congrès ADF 2011, nous avons cherché à rencontrer messieurs Giovanoli et Armand, respectivement président et président scientifique du prochain congrès ADF 2012. Et c'est au détour d'une réunion qu'ils ont accepté de nous en dire un peu plus sur le thème et les nouveautés sélectionnées. Alors le thème du congrès, ça s'appelle « Garder le sourire ». « Garder le sourire », c'est bien sûr notre souci pour exprimer et notre enthousiasme et notre optimisme quant à l'avenir de notre profession. Mais c'est aussi parce que on veut, parmi nos préoccupations, s'assurer que toutes les recommandations que l'on fait au travers du programme scientifique ont le souci d'apporter à nos patients des solutions thérapeutiques à long terme et que, pour faire court, il faut autant s'intéresser à ce qui concerne les enfants, les adultes, les vieillards, pour essayer d'exprimer cette idée de longévité de nos traitements. Voilà. Il est en apnée, là. Ça va être bien. Nous avons essayé de voir quelle pouvait être la demande des congressistes au travers des discussions que nous avons eues pendant tout le congrès et dont nous avons débattu dans la réunion qui a précédé. Nouveauté, c'est d'essayer de réaliser des séances multidisciplinaires qui correspondent mieux à la transversalité de nos traitements. C'est-à-dire que de plus en plus, chacun ne doit pas traiter sa discipline de façon unique. Il doit communiquer avec le praticien voisin. Il faut qu'il y ait des architectes de traitement. Et nous sommes très très attachés à la transversalité des traitements, fonctionner par thème et non plus par discipline. Et ceci correspondra beaucoup mieux au mode d'enseignement universitaire qui est adopté actuellement, qui fait l'objet d'une grande réforme. Et ça permettra de confronter des idées et surtout de permettre aux différents intervenants de faire passer un message au travers des messages précédents et au travers des messages qui suivront dans les conférences.